Nous sommes avec Connor. Ah, encore dans ce charmant lieu, sous la pluie. Il pleut beaucoup, hein, dans la région où vit Connor. Ok, quel est l'objectif? Encore une fois, trouver Amanda. Ok, on sait où elle est, a priori. C'est quoi qu'il a? Un parapluie? Qui ne lui sert visiblement à rien. Ok, il y a notre tombe là. On va pas y aller. Amanda, coucou. Bonjour, Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu? Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Expliquer. Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement. Même, j'aurais dû être plus efficace. As-tu appris quelque chose? Inscription. Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R9. Quoi d'autre? J'ai trouvé son journal, mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Exact. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle? Gratitude, je pense. Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il a une façon à lui de s'exprimer. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Honnêtement, des trois personnages, celui avec lequel j'accroche moins dans le gameplay, c'est avec Marcus. Même si le type en soi, enfin, même si le personnage en soi me touche. Ok, on est toujours avec Connor. Ok, c'est son chien, j'imagine. Bon, ça se fait pas trop quand même de regarder par la fenêtre. C'est flippant. Ok, je vois rien de spécial. J'espère qu'il lui est rien arrivé parce que. J'ai dit, ah, ça s'est allumé, non? Oui, voilà, c'est une lumière automatique. C'est juste pour ça que j'ai fait, ah, la technologie. Lieutenant Anderson! Il y a quelqu'un? C'est sacrément insistant. Ok, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Je le sens pas très bien.
Oh! C'est ça. Il lui est arrivé quelque chose. Hein. Du calme. Ce mot. Je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Ok, il a juste trop bu, c'est ça? Oh non. Il avait l'intention de se suicider là? C'est du... Il était alcoolisé. Il vit. Aucun signe de traumatisme, ok. Possible coma éthique, ok. Debout, lieutenant! C'est moi, Connor! Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un peu désagréable. Androïde de mes deux, dégage d'ici, putain! Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi! Bon chien. Attaque. Attaque. Merde, j'ai envie de gerber. Tu m'étonnes. Ah, je veux pas voir du vomi. Laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Allez, on va te mettre à poil dans la douche, ça va te faire les pieds. J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Oh, pardon. Arrête ça tout de suite! Arrête ça! Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh. Ouais, enfin, heureusement que je suis là. Tu peux pas me laisser tranquille. Oui. Vous semblez avoir des problèmes personnels à résoudre. Vous devriez consulter un professionnel qui vous conseillera. Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Provoquer non. Partir non plus. J'avais pas envie de décider. Hein. Partir. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Cet homicide-là, qu'est-ce qu'on a comme info? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. D'après le rapport, un androïde serait peut-être impliqué. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Je vais les chercher. Ici, il n'y a rien du tout. Que voulez-vous porter? Rien à foutre. Comment il a gueulé. Hippie, rayé, zébré. Je pense que c'est plus son style à lui. Y a rien. Rien. Ah.
Mais c'est pas plus mal que tu vomisses. Est-ce que ça va, lieutenant? Un petit vomi, ça repart, hein. Connaissez les bails, hein. Ouais. Tout baigne. Ça a l'air. Dans 5 minutes, ok? Bien sûr. Ah, et on a vu le vomi pixelisé. Voilà. Alors, les objectifs. En apprendre plus sur Hank. Okay. Là, c'est la chambre qu'on a déjà visitée. Oui, exact. Les caméras tournent tellement que c'est compliqué quand même de se... Bon, pour l'entendre vomir, non merci. Ah, ben super. Regardez. Oh, il a un fils. Oh, c'est tellement bien fait. C'est vraiment une photo, quoi. C'est fou. Ah! Ah, ben, c'est moins cool. Hank a perdu son fils. Ok, je viens de comprendre. Pourquoi il en veut aux androïdes? C'est parce qu'un androïde est impliqué dans la mort de son fils. Bim, bam, boum. Ça fait bim, ça fait boum. Rien dire. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. Zoomer. Trouver la photo du fils de Hank. Ok, il y avait d'autres choses à voir, visiblement. Mm-hmm.